Bonjour les amis, vous vous souvenez, il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo comme quoi j'étais très en colère parce que quelqu'un avait détruit le casque de Camille sur notre scooter. Aujourd'hui, il y a encore probablement des jeunes ou je ne sais pas qui, je ne peux pas savoir. Il y a quelqu'un qui s'amusait à prendre l'extincteur, le vider dans le garage. Toutes les voitures sont blanches, bleues. Et bien entendu, mon scooter aussi, donc ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, regardez-moi ça, c'est un truc de malade. Voilà, encore une fois, qui que ce soit, c'est toujours des choses très désagréables. Ça donne un sentiment d'insécurité, alors que des gens ou des jeunes ou n'importe qui veuille s'amuser, se venger ou je ne sais trop quoi faire. Ça peut-être se comprendre, mais ce que je n'accepte pas, c'est que cela se passe sur le dos du matériel des autres, des gens qui travaillent. Toutes ces personnes-là qui ont des voitures sont des gens qui travaillent dur pour payer leur voiture, pour payer leur habitation. Et c'est un manque total de respect. On a beau être optimiste, on a beau être positif, mais il y a des choses, à un moment donné, qui vont au-delà des valeurs et qui mettent vraiment en colère. Alors, je ne sais pas, mais moi, demain, je vais aller à la gendarmerie parce que maintenant, ça commence à bien faire. Donc, la première fois, on se dit, on laisse passer. Mais là, la deuxième fois, là, maintenant, à un moment donné, nos véhicules sont moins en sécurité dans le garage qu'à l'extérieur. C'est un truc de dingue. Donc voilà, juste à un moment donné, c'est ne pas laisser faire les choses et je vais aller voir la gendarmerie d'ici demain matin parce que là, c'est le soir. Donc malgré tout, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain. Ciao.